Moi, il y a 10 du matin, je vais call. Dis-moi, on me fait 30 la maison. Dis-moi, je fais 30 la case là. Est-ce que tu vas être mort? Toi, avec ton espèce nazi, président, tu vas mort? Mais moi, je ne connais pas qui c'est même. Il me pense. C'est moi, mon père, je vais dire. Ou pas pour payer mon compte, mon compte. Laura, si j'ai mon modèle d'affaires, je fais un appel avec l'île Maurice. L'île Maurice, je vais te soutenir à nous, nous raconter ce qui nous permet là dans nos villages. Et je suis content, il y a tout un village de pareil. Parce que maintenant, l'autorité, elle a remis pression. Elle a remis pression. Nous nous faisons là pour avoir un petit bout pour nous voir dans le village. Nous avons disponible dans l'endroit. Et je veux dire, pour nos propres sécurités, mais nous avons beaucoup d'affaires encore pour nous dire, mais nous attendons le moment pour nous capables de l'évolution qui arrive. Parce que moi, je voudrais dire à le ministère, agir professionnellement, nous agir professionnellement en jeu, agir professionnellement en outil. Pareil. Peut-être une question. Nous entendons dans ce cas où nous commençons, bonheur de finir nous qui se passe là-bas avec l'esprit violence, etc. Mais nous connaissons qui le ministre a fait mettre une caisse contre 4 dimons. Mais si dans la caisse là, la police repose le fait qu'il doit vivre dans un dimon, il tape le tout ça. Nous avons un langage que le pays est à le mot commence par G, toi aller. Mais si repose ça comme un acte de violence, qui se pose par rapport à ça? Premièrement, si vous pouvez cette vidéo là, c'est pas nous quatre, c'est-à-dire nous trois là, c'est tout le monde comprend. En fait, depuis là, maintenant nous avons une case contre nous, mais personne, la police depuis là pour contacter nous. Okay. Ce que nous avons demandé est une case de disturbance. Okay? Disturbance, c'est-à-dire nous sommes là-bas, nous disturbons sa réunion là. Okay. Après ça, puis nous avons une case contre nous comme ça. Mais si nous avons une case, pas quoi, nous avons besoin de tracas, si nous avons tapé, mais c'est moi si vous voulez une vidéo qui nous passe. C'est dans nous quatre, oui, dans la place là, mais c'est dans les habitants qui ont coulé. Ça m'a dit qu'ils ont de la case, ils ont dit que mercredi, ils ont dormi et bientôt pour une nuit. Moi, je ne connais pas de coller, les justifier ou pas. Mais sinon, vous avez compris maintenant aussi. Et si vous prêtez, c'est pas comme moi, vous prêtez le média, mettez qu'il nous tape au coin, le truc là. Mais si vous prêtez, c'est juste que vous avez dit arrêtez, nous vous avez posé. Mais voilà, vous avez arrêté. Et quand je vais rentrer, je ne sais pas exactement comment il est arrivé. Nous trois nous rentrer, et dans M. Obida qui a sauté la peau là, M. Nassim, j'ai dit comment nous sommes capables de rentrer là, comme ça, bien. M. Toussaint, peut-être une question. Oui. L'actualité oblige, l'incident qui s'est produit à pleine manion. Nous avons le ministre Ari Ram fin prononcé par rapport à ça. Aujourd'hui, nous allons faire des tours pleine manion. Mon habitant peut déplorer le fait que le ministre Toussaint n'a pas écouté Zut, n'a pas venu vers Zut. Qu'est-ce que vous dire par rapport à ça? Alors, je vous remercie de votre question. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur la jeunesse que j'invite à venir pour une formation, à venir trouver de l'emploi. Donc, je préfère que nous restions sur cette actualité de l'avenir Nubanzenes. Non, mais comme je dis, aujourd'hui, on est là pour le salon, pour le meet-up. Donc, c'est ça qui doit avoir la priorité. Hein, parce que, en tant que ministre de l'autonomisation de la jeunesse, je fais mon travail pour pouvoir donner plus d'opportunités à notre belle jeunesse. Et cette jeunesse, il ne passe pas 2 années de COVID, de difficultés dans leur éducation. Alors, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener le maximum de choses pour notre jeunesse. Donc, il serait déplacé pour moi, dans ce cadre, de parler d'autre chose que de la jeunesse de Maurice. J'espère que vous allez comprendre et que vos spectateurs et lecteurs vont comprendre.